Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous présenter l'application eBlacklist. eBlacklist, c'est quoi? C'est tout simplement une application qui est disponible, je crois qu'elle est payante, et que je vais vérifier si l'application est payante sur le Cydia Store. Donc c'est ça, eBlacklist, en fait vous avez une version trial normalement, si je ne me trompe pas. Fait que c'est du repo de Big Boss, comme on peut le voir, tout simplement. Puis vous faites installer, confirmer. Vous avez une version d'essai de quelques jours. Donc ça vous dit qu'il faut redémarrer votre appareil après l'avoir installé. Puis tout simplement, et Blacklist, c'est quoi? Ça vous permet de créer des listes noires en fait. De certains contacts que vous voulez plus recevoir d'Apple, d'appels puis de messages de cette personne. Simplement, vous faites installer, confirmer. En passant comme ça, l'application est gratuite en version complète, gratuitement sur la source de Jailbreak Device 2. Donc, vous retrouverez toutes mes sources, enfin, mes deux sources dans la description de la vidéo. Une fois que l'application va être installée, vous allez avoir une icône, vous allez avoir une icône comme ça, ici, là. L'icône du répertoire noir, ici. Puis vous lancez ça, puis ça va faire comme ça, et blacklist. For iPhone, donc ça marche, c'est uniquement pour les iPhones, pour l'iPhone jailbreaké du firmware 4.0 et plus. Et que juste simplement comme ça. Puis l'application va se présenter comme ça, donc vous pouvez voir l'historique des appels, etc. Puis tout simplement, vous allez arriver là-dessus. Donc, faut aller dans liste noire ici. Puis vous avez la possibilité de créer une nouvelle liste, fait qu'à la base vous aurez que le général BL. Puis si vous allez là-dedans, vous cliquez sur le petit plus en haut. Puis ça va vous demander si vous voulez ajouter un contact via un contact, ou ajouter via un appel récent, ou ajouter via un message récent. Ou alors, affichage, vous rentrez un nom ici, puis vous rentrez le numéro d'une personne, vous ne voulez pas qu'elle vous appelle, simplement. Donc c'est ça, puis auto-réponse, vous pouvez même déclencher une auto-réponse. Ou activer pour les messages, c'est si vous recevez un message d'une telle personne, vous allez pouvoir lui renvoyer un message automatiquement. Il faut juste l'activer comme ça. Donc vous activez, puis vous écrivez votre message pour votre contact. Alors moi je vais, admettons, je vais faire un truc bidon, je mettrai un nom bidon, puis un numéro bidon. Vous cliquez sur sauvegarder en haut, puis là vous allez avoir ça après. Donc tout simplement, si vous cliquez dessus, vous avez la possibilité d'appeler le numéro, d'envoyer un message, de modifier le contact, puis changer la liste ou supprimer le contact. Si vous faites supprimer le contact, c'est cette personne-là va de nouveau pouvoir vous appeler. Parce que là, si elle vous appelle, elle va, si je fais modifier le contact, puis vous faites modifier le contact, et là, vous pouvez le bloquer soit pour les appels, soit pour les messages. Vous pouvez changer le nom, le numéro, puis auto-répondeur, ce que je vous expliquais tout à l'heure, pour les appels ou pour les messages. Puis vous allez dans, si vous allez dans Action, ici, juste en dessous, Action, vous pouvez choisir en fait ce qui va se passer quand la personne va vous appeler. Tout simplement, vous pouvez choisir, soit elle va tomber sur votre messagerie vocale, soit la personne, ça va sonner occupée quand elle va vous appeler, ou alors ça va accepter l'appel, puis ça va décrocher, soit ça va faire aucune action, c'est-à-dire il va absolument rien se passer sur son téléphone à elle, ou alors vous pouvez faire accepter, puis dans ce cas-là, ça va accepter l'appel. Tout simplement, c'est comme si vous étiez pas, comme si la personne n'était pas blacklistée. Donc c'est ça, une fois que vous avez fait les changements, vous cliquez sur sauver en haut, tout simplement, puis vous avez juste à quitter l'application, puis dès que la personne, pardon, dès que la personne elle va vous appeler, mais ça va pas sonner, ça va rien faire. Puis si vous allez peut-être avoir une notification dans votre barre des tâches en haut, mais sans ça, vous, ça va pas sonner, vous n'allez pas avoir de messages, etc. Mais vous avez toujours la possibilité de consulter les messages puis les appels que vous avez reçus, mais seulement si vous allez dans l'application Blacklist, en fait, c'est qu'elle va pas se mêler à vos autres contacts. Donc ça permet vraiment de créer des listes noires d'appels que vous voulez pas recevoir, etc. Puis vraiment empêcher qu'une personne vous appelle et voilà, tout simplement. Puis dans liste blanche, bah, c'est les listes en fait tout simplement des appels que vous voulez bien recevoir. Puis vous pouvez voir l'historique des appels qu'il y a eu. Puis là vous avez d'autres, vous avez les paramètres d'appel, sauvegarder l'historique. Vous voyez, vous avez icône statut bar, vous pouvez activer les icônes dans les statut bar, les notifications sonores, c'est-à-dire quand quelqu'un vous appelle, vous pouvez choisir soit le vibreur, soit une notification sonore, soit une petite icône dans la barre des statuts. Puis ça va marcher seulement pour les personnes du répertoire.
Vous pouvez bloquer également les idées anonymes. Fait que ça va toutes les personnes qui vous appellent en inconnu, ça va les bloquer. Ou alors les bloquer les idées inconnues. Les inconnus, c'est ceux qui figurent pas dans vos contacts. Ça figure pas dans vos contacts, ça va les bloquer. Tout simplement. Puis bloquer les appels ayant moins de. Fait que vous pouvez choisir un nombre de numéros. Donc s'il y a un numéro, admettons, qui vous appelle de moins de 10 chiffres, parce qu'en France, les numéros ils ont 10 chiffres, vous faites OK. Puis là, les numéros qui ont moins de 10 chiffres, ils vont pas pouvoir vous appeler tout simplement. Une fois que c'est fini, vous cliquez sur sauver, puis vous avez là. C'est bon, votre appareil il est configuré correctement. Puis si la personne que vous avez blacklistée vous appelle, ben, elle va pas recevoir les appels que vous lui avez envoyés. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451. Pour vous présenter l'application eBlacklist, visitez mon site internet jailbreakdevice.com, ce qui vous permettra de vous tenir informé de toute l'actualité en matière de jailbreak. Vous retrouverez également toutes mes vidéos, les firmwares de vos appareils, puis la catégorie téléchargement, ainsi que la catégorie source Cydia et tout ce jailbreak qui est un autre site internet que j'ai fait pour débuter avec le jailbreak. Vous pouvez également cliquer en haut sur s'inscrire, ce qui vous permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos que je vais faire sur YouTube pour les iPhone, iPod Touch et iPad. Vous pouvez également vous abonner à mon Twitter, donc twitter.com/lolo du 451, ce qui vous permettra de vous tenir informé des nouvelles les plus importantes et le plus rapidement possible. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.